Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pardon, on se retrouve, je vais y arriver, pour un petit tuto avec ce dice qui vient de chez Globeland. Voilà. Donc, vous vous souvenez, je vous l'avais montré quand je vous ai fait le unboxing. Donc, nous avons la voiture, les roues, le sapin qui va venir sur la voiture. Là, les petites décos qui vont dans le sapin. Mais alors ça, je ne sais absolument pas où ça va. Je ne sais pas. J'ai pas trouvé. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. N'oubliez pas, Globeland, vous avez un bon de réduction. Vous le trouvez dans la barre d'information. La barre d'infos, juste en dessous. Voilà. C'est toujours intéressant. Une petite réduction. Voilà. Bon, allez, je vous montre ce qu'on va faire. J'ai fait toutes mes découpes. Ça coupe parfaitement bien. Aucun souci. C'est un bonheur. Là, vraiment. Voilà. Bon, j'ai mis mon portable à charger, je vois qu'on le voit un petit peu. Hop, voilà. Allez, alors je vous montre ça. Donc j'ai pris une base de cartes, comme d'habitude. Les mêmes dimensions, 10,5 par 14,8. C'est un demi à 4. Du même bloc de chez Action, les trois couleurs. Ça, c'est un papier que j'avais eu, Papercraft 7 de Noël l'année dernière. Donc j'ai pris ça pour le fond. Ça, c'est pareil, ça vient d'un bloc identique. Donc, je l'ai découpé, voilà, vous voyez, ça va, avec un dice bordure qui vient aussi de chez Action. On va venir le mettre là. Ça fera un peu la neige, voilà, un peu de brillant. Ensuite, j'ai préparé un petit dice cut qui vient aussi des blocs de chez Action de Noël l'année dernière. Voilà, on mettra ça comme ça. J'ai pris un petit Merry Christmas, voilà, et la voiture, comme ceci, avec le sapin qui viendra là comme ça par-dessus, mais il faut qu'on colle déjà pour le sapin sur la voiture et les roues de la voiture, voilà. Allez, donc, hop, je vais coller mon fond, je vais déjà redécouper un petit peu, je cherche ma paire de ciseaux. Voilà. Parce que vous savez, c'est les die cuts qu'on prend qui sont accrochés. Et j'aime pas du tout quand on voit encore les petits picots qui les tiennent attachés. Donc, voilà. Hop. Voilà. Allez. On y va. Donc, on colle notre papier sur notre base. Voilà. J'espère que vous allez bien. On approche de Noël. Bon, je fais une petite carte de Noël. Ce sera la deuxième. Vous voyez, je fais un effort. Hop. Bon, tant que je ne vous fais pas une carte de la plage, grand soleil et tout, ça va encore. Quoique, ça pourrait venir. Hein. Le Père Noël avec son maillot de bain, pourquoi pas. Ça, on va venir le coller ici. Mais là, je vais y mettre... Ça, je vais le mettre là. Donc, je vais le coller en premier. Hop. Voilà. Bon, j'espère que vous pensez bien à participer au concours. Parlez-en autour de vous. N'hésitez surtout pas. Parlez-en aux copines. Aux copains qui font du scrap aussi. Pourquoi pas. Hop. Voilà, ça. Voilà. Hop. Bon, c'est une petite carte rapide. Puis bon, j'avais déjà préparé à l'avance. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Mais c'était au moins pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette jolie voiture. Je l'aime beaucoup. Puis bon, ben, on s'en sert pour Noël, mais... Parce qu'il y a le sapin avec, mais c'est pas une obligation, on peut faire d'autres choses avec.
Voilà. Bon, voilà. Notre carte commence à prendre forme. Donc, vous voyez, ça brille. Voilà. Donc, notre Merry Christmas, on viendra le mettre ici après. Maintenant, donc, la voiture. Hop, j'ai tout vidé là. Voilà. Donc, quand on découpe la voiture, alors ça se coupe super bien, hein, pas de problème. Et quand on vient de couper la voiture, là, le phare, il manque. Enfin, il se découpe et... alors, je sais pas si je vais le laisser... Oh, si, ça ferait bien. Ouais. Je vais venir coller la voiture ici. Comme ça. On va déjà coller les jantes. Hop. Sur les roues. Trop, ça bave. Décidément, on va pas y toucher. Je viendrai le gommer quand ce sera bien sec. Je vais prendre le stylo à colle, vaut mieux. Voilà. Voilà. Ouais. Je passerai un petit coup. Voilà. Alors, on va mettre le pied du sapin. La découpe du sapin, je l'ai faite dans un papier qui était aussi dans les blocs de Noël, là. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Ça représentait justement des feuilles de sapin. Enfin, les épines et tout. Voilà. Oups, le pied du sapin qui se sauve. Oh, bah décidément. Aujourd'hui, hein. Voilà, bon, on va venir mettre ça là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gomme? Bon, ben voilà, j'ai scrapé toute l'après-midi pour vous faire des vidéos et j'ai perdu ma gomme. Bon, ben, mystère. Ah non, ça y est. Voilà. Hop. Ça sera mieux quand même comme ça. Allez. Donc... on va venir mettre tout ça comme ça. Et ça, on va venir le mettre ici comme ceci. Donc, on va coller en premier sûrement les roues. Parce qu'on va les faire passer en dessous. Ouais, les roues. Allez. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Bon, faut pas que je me loupe, hein, parce que là, je peux pas avoir... une roue sur la voiture et l'autre dans la neige. Hop. Voilà.
Là, je me mets bien. Voilà. Parfait. Donc maintenant que mes roues sont collées, je vais coller ma voiture. Bon, si jamais vous savez à quoi servent les découpes que je n'ai pas trouvé là, surtout n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi franchement là, je vois pas du tout où ça peut aller. Allez, notre joli sapin. Allez, on va le mettre comme ça. Voilà. Nickel. Ah, puis on va faire un petit peu le contour rouge de notre. Ouais, on va mettre un petit peu de rouge. Parce que ça fait tout triste sinon. Vous allez voir, pas grand chose, mais. Là, un peu de colle. Voilà. Zut. Voilà, rien de méchant. Et ben voilà, ma petite carte est faite. Voilà. Bon, j'espère qu'elle vous plaira. Oh, moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Ouais, ouais. Bon, après vous avez dans le kit, hein, vous pouvez faire les décos pour mettre sur le sapin. Moi, j'ai préféré le laisser comme ça, le sapin. Je trouve ça plus beau. Voilà. Mais bon, vous pouvez vous en servir aussi pour le mettre droit avec les décorations et tout. Hein. Et vous pouvez l'intégrer dans d'autres créations. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite carte de Noël vous aura plu. Mais sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.